Chaïm est une habituée des enfoirés, mais, pour l'édition 2018, elle ne fera pas partie du spectacle. Voici pourquoi. Voilà déjà 5 ans que Chaïm a rejoint la troupe des enfoirés. La chanteuse a intégré le collectif en 2012, en même temps que M. Pokora, à l'occasion du spectacle Le Bal des Enfoirés. Mais cette année, elle ne sera pas de la partie, et les concerts prévus dans le cadre du spectacle Les Enfoirés, musique, se feront sans elle. Une information confirmée par la maison de disques de la chanteuse à nos confrères de Téléstar. La raison d'avancer, un besoin de faire un petit break pour se ressourcer, elle a peut-être envie de se reposer après Nouvelle Star et avant la tournée, avance Warner Music France. Pour rappel, l'interprète de Et alors était la présentatrice de cette nouvelle édition du Télécrochet, même si elle n'a participé qu'à un seul prime en direct, lors de la finale de l'émission. Depuis la fin du tournage, Chaïm prépare activement sa tournée, Concerts exceptionnels, qui débutera le 3 mars prochain à Lille et qui se déroulera à travers toute la France. Sur Twitter, la chanteuse avait cependant concédé avoir dû annuler plusieurs dates, affirmant qu'il n'y avait pas eu assez de billets vendus pour pouvoir les maintenir. Ce n'est pas la première fois que Chaïm sera absente du spectacle des Enfoirés à cause de ses propres concerts. La jeune artiste avait déjà fait faux bond à la troupe en 2015 et en 2017. Elle est cependant loin d'être la seule, puisque chaque année, les artistes qui participent au concert vont et viennent, en fonction de leur propre disponibilité. Que les spectateurs de la troupe se rassurent, cette année encore, ils pourront compter sur de nombreux artistes, mais également sur de nouvelles recrues telles que les Enfoirés Kids et le retour de Carla Bruni. Crédit photo, Rachid Bellak, Bestimage.